La main invisible nous étrangle, nous livrant tous aux humeurs des marchés. Que reste-t-il qui ne soit pas à vendre? L'avenir même nous est volé. Que reste-t-il qui ne soit pas à vendre? L'avenir même nous est volé. Comment brider cette puissance qui se dérobe à toute identité et qui condamne à la souffrance et à l'errance des peuples entiers? Et qui condamne à la souffrance et à l'errance des peuples entiers. Chez nous, on revoit la misère, gens à la rue et vies brisées. Les tensions au travail s'exaspèrent et les jeunes gens sont là de galérer. Les tensions au travail s'exaspèrent et les jeunes gens sont là de galérer. À quoi bon dire encore qu'ils gouvernent ceux qui prétendent nous diriger, si les contraintes qui nous cernent doivent rester hors de leur portée? Si les contraintes qui nous cernent doivent rester hors de leur portée. L'économie, matière humaine, attend d'être délibérée. Il ne convient en rien qu'elle tienne lieu de nature ou de sacré. Il ne convient en rien qu'elle tienne lieu de nature ou de sacré. L'argent repose sur l'échange entre les fruits de nos métiers. Un libre jeu, si chacun mange et si personne n'y est joué. Un libre jeu, si chacun mange et si personne n'y est joué. Je sais, mon propos est austère, comme notre temps. Cette chanson n'est pas gaie. Elle s'est formée dans la colère que j'ai à cœur de partager. Elle s'est formée dans la colère que j'ai à cœur de partager. Nous n'avons pour nous que nous-mêmes, devant des luttes immenses à engager. Il n'est pas de sauveur suprême, merci pour ça, Eugène Potier. Il n'est pas de sauveur suprême, merci pour ça, Eugène Potier.